Être gay, avoir la peau foncée et vivre dans un milieu religieux conservateur, c'est être condamné à une mort lente. Enfant, on me harcelait parce que j'étais efféminé. Je me sentais faible, démuni. Et la situation ne s'est pas arrangée. Après avoir révélé mon homosexualité à ma famille, j'ai été chassé de chez moi, alors que le gouvernement persécutait la communauté LGBTIQ+. Ma vie était en danger. J'aurais pu devoir risquer ma vie et faire un voyage périlleux. Mais j'ai eu la chance d'obtenir un visa pour quitter mon pays. Le sésame pour la sécurité. J'ai voulu utiliser cette liberté pour aider les autres. J'ai fait des études de droit et me suis consacré aux personnes LGBTIQ+ défavorisées. J'ai toujours le sentiment d'être déplacé. Mais je sais que je suis privilégié. J'espère qu'aider autrui m'aidera à guérir des blessures du passé.